7 de cœur. René Pagès, bonjour. Aujourd'hui, le 7 de cœur de Loïc Lantoine. Loïc Lantoine, dont on écoute Pierrot, extrait de son album Tout est calme. Les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant, devant ma vie, et les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit, dans un sourire, s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. J'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Loïc Lantoine, pour démarrer ce set de cœur, c'est finalement en anglais qu'on le démarre. Oui, bah oui. Alors j'avais le choix, c'est difficile. Hein. Ça m'a donné le choix de 7 chansons et j'ai voulu commencer par une chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle Lost in the Flood. Et pourquoi lui? Parce que c'est mon entrée en chanson finalement qui s'est faite. Moi, je viens d'une génération. Tu vois, je suis né en 73 où la chanson était assez maltraitée, mais par ceux qui la pratiquaient d'ailleurs, et vachement ringardisée dans les années 80. On n'en écoutait pas. On sauvait comme tout le monde des Brassens ou des Ferré, des Brel en les écoutant à peine, mais pour le reste, on crachait un peu sur tout ce qui se passait. C'était comme ça. Et alors. Moi qui n'avais pas de culture et pas musicale et puis pas de parents franchement mélomanes,
J'ai découvert comme un couillon au top 50 lors de du clip le morceau de Quincy Jones là et Michael Jackson pour l'Éthiopie, le truc, une voix terrible, un mec qui m'a transporté, qui s'appelait Bruce Springsteen. Il se trouve que ma voisine avait tous les vinyles et que c'était une ma grande voisine, c'était une fan, donc elle m'a initié et j'ai adoré ça, et je continue à adorer Springsteen, parce que il est d'ailleurs assez mal regardé en France. On a l'image du Born in the USA qui n'est pas un hymne à l'Amérique, loin de là, au contraire. Voilà, pour moi c'était un poète populaire, un mec avec une énergie folle, un gars concerné qui représente l'Amérique laborieuse et un peu crasse. J'adore ça. Et ça, c'est un morceau qui s'appelle donc Lost in the Flood, qui raconte l'histoire d'un gars qui revient du Vietnam avec la tête complètement vrillée. Ragamuffin gunners returning home like a hungry runaway. He walks through town all alone. He must be from the fort, he hears the high school girls say. His countryside's burning with wolfmen fairies dressed in drag for homicide. They hit and run, plead sanctuary, neath the holy stone they hide. They're breaking beams and crosses with a spastic's real imperfection. Nuns run bald through Vatican halls, pregnant, pleading immaculate conception. And everybody's wrecked on Main Street from drinking unholy blood. Sticker smiles sweet as gunner breathes deep, his ankles caked in mud. And I said, hey, gunner man, that's quicksand. That's quicksand, that ain't mud. Have you thrown your sense to the war? Did you lose them in the flood? That pure American brother, dull-eyed and empty-faced, races Sundays in Jersey in a Chevy stock Super 8. He rides her low on the hip, on the side he's got Bound for Glory in red, white and blue flash paint. He leans on the hood telling racing stories. The kids call him Jimmy the Saint. Well, that blazing noise, boy, he's gunning that bitch, loaded a blasting point. He rides headfirst into a hurricane and disappears into a point. And there's nothing left but some blood where the body fell. That is nothing left that you could sell. Just junk all across the horizon, a real highwayman's farewell. And I said, hey kid, you pay that oil? Man, that ain't oil, that's blood. I wonder what he was thinking when he hit that storm. Or was he just lost in the flood? Eighth Avenue sailors in satin shirts whisper in the air. Some storefront incarnation of Maria, she's putting on me to stare. And Bronx's best apostle stands with his hand on his own hardware. Everything stops, you hear five quick shots, the cops come up for air. And now the whiz bang gang from uptown, they're shooting up the street. Oh, that cat from the Bronx starts letting loose, but he gets blown right off his feet. When some kid comes blasting around the corner, but a cop puts him right away. He lays on the
the street holding his leg, screaming something in Spanish, still breathing when I walked away. And someone said, hey man, did you see that? His body hit the street with such a beautiful thud. I wonder what the two were saying. Or was he just lost in the flood? But hey man, did you see that? Blow those poor cats that sure messed up. I wonder what they were getting into. Were they all just lost in the flood? Antoine Géant, maintenant, j'ai vécu. Alors, c'est pas pour flatter hein, la radio toulousaine hein, parce que Géant, c'est une de mes premières claques en chanson, puisqu'on parlait avant là, des Americanoris que j'écoutais, et il a fallu un moment, en passant par Dylan aussi, qu'un copain me dise, mais t'es con, parce que tu es en train de te bagarrer avec des langues que tu maîtrises pas tant que ça, et il y a des merveilles qui existent en français. Je me suis mis, donc, sur le tard, à devenir un amoureux de chansons, et le pote en question faisait une émission de radio, donc j'ai démarré, non pas à écrire des textes, mais à animer, comme toi, des émissions de radio avec mon pote à Radio Campus à Lille, une radio amie, je pense. Voilà, on s'est éclaté. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de rencontrer Jean, qui est une de mes premières baffes sur scène. En fait, j'avais... au bout d'un moment, j'ai écrit une petite peine de cœur. Voilà, j'ai écrit quelques textes. Et puis, j'ai eu le culot de les présenter à Le Prest. Et puis, à Jehan, qui a mis en musique mes premiers textes et qui après qui a sorti un album avec des textes moitié écrits par Le Prest et moitié par ma pomme, ce qui était pour moi complètement hallucinant puisque j'avais là l'interprète que je préférais et mon auteur préféré. C'était ouais, assez surréaliste quoi. Enfin, j'ai failli louper la résidence de création parce que j'étais à l'armée, ils m'ont fait rattraper ces enfoirés, mais j'ai réussi à me faire réformer juste avant le début de la résidence et donc voilà. Et puis alors j'ai vécu parce que Jean et Dimé, c'est une grande affaire quoi, un petit peu comme Gérard Piron et Gaston Couté, et ces chansons là j'ai vécu comme une autre. Je trouve ça vraiment un album très réussi là qu'il avait fait sur le divin Dimé et voilà. J'ai vécu comme un chien aux quatre coins du monde, avec autour de moi des fusils par milliers, des flics aux dents de loup qui hurlaient à la ronde aussitôt qu'ils voyaient mon doux regard briller. J'avais le verbe haut, une gueule de brique, et tous mes compagnons étaient du même sang. Nous chantions à minuit le cul sur des barriques, au milieu des hameaux qu'on brûlait en passant. J'ai vécu comme un lion, la crinière en bataille, sur tous les continents que j'avais pu trouver. Et si présentement j'ai la voix qui s'éraille, c'est que l'alcool est doux au repos du guerrier. J'avais le cœur joyeux, les mains douces et fines, tout cela depuis lors, c'est un peu boucané. Mais à présent pour moi, l'odyssée se termine, et je suis bien content de n'être pas cané. J'ai vécu comme un fou, j'ai vécu comme un homme, les femmes de hasard qui passaient dans mon lit savaient tout de l'amour ou rien, c'était tout comme. Puis je me rhabillais, je graissais mon fusil. J'ai vécu comme un con, un bon quart de ma vie. J'ai gagné des dollars, j'ai perdu tout orgueil.
mais je n'ai rien trouvé qui vaille ces folies. L'amour n'existe pas, mieux vaut en faire son deuil. À moins que grâce à toi, mes cauchemars ne s'effacent, que 20 ans de ma vie s'éloignent à reculant. À moins que grâce à toi, dans mon vieux cœur de glace, se rallume soudain le rire et les chansons. J'ai vécu comme un chien aux quatre coins du monde, avec autour de moi des fusils par milliers, des flics aux dents de loup qui hurlaient à la ronde aussitôt qu'ils voyaient mon doux regard briller. Après Géant, quelqu'un d'autre qui vient d'être évoqué. Alain Leprest. Oui, pareil, Alain, c'est fondateur. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il était venu à Lille à l'époque. Je bossais dans une association qui s'occupait de la chanson, Les Inouïs, et d'un groupe formé par un groupe qui s'appelait Les Belles Lurettes. Et puis, donc Alain était venu chanter. On était tombés assez copains. Bon, on avait bien rigolé, pour tout dire. Et il m'avait dit toi, tu devrais écrire. Ce que j'ai fait comme un con que je suis. Et bon, il se trouve que j'ai appris derrière qu'il le disait à tout le monde. Moi, je l'ai fait. Et il m'avait laissé son adresse à Ivry et j'étais débarqué tremblant avec 5-6 textes chez lui. Alors, j'avais fait le tour 3 fois du quartier parce que j'étais terrorisé. J'avais dû boire je sais pas combien de verres pour avoir le courage de sonner en bas de Sally et Alain. Et voilà, donc j'étais grimpé là-haut et il a écouté ça. Il m'a dit bon. À partir de maintenant, dis-toi une chose, même si pendant longtemps il ne se passe plus rien, tout ça, dis-toi que tu écris et que c'est pour toujours. Et maintenant, viens avec moi. On est descendu en bas au café de la mairie, en bas de chez lui, à Ivry. Il a dit à ses potes qui étaient là au comptoir, fermez vos gueules, je vous ramène un truc. Et donc, je me suis retrouvé à dire mes textes pour la première fois devant des gens. Et voilà, ma vie a complètement changé à partir de ce jour-là. C'était toujours, je sais pas pourquoi j'ai osé faire ça et ça s'est bien goupillé. Voilà, j'ai eu du bol et je regrette pas. Et puis donc Alain, je lui dois énormément de choses. Et là, j'avais choisi Mont-Saint-Aignan, mais c'est pareil. J'ai choisi vite fait parce que j'avais pas envie. J'aurais passé des heures à essayer de faire. Mais Mont-Saint-Aignan parce qu'il m'avait emmené une paire de fois là-bas chez ses parents, Jean et Marguerite, qui étaient des gens vraiment formidables. C'est des grandes parties de rigolade, de simplicité, de pétanque. On y était bien en s'atteignant près de Rouen. J'ai le souvenir d'un spectacle géant, Alain Leprest, Loïc Lantoine. Oui, ça s'appelait « Ne nous quittons plus », c'est mes débuts dans le boulot, parce que j'avais à peu près, je démarrais à peine, quoi. Encore une fois, là, Jehan et Alain, c'est vraiment mon entrée dans le métier, et puis qu'est-ce que j'étais fier de faire partie de cette affaire. J'ai laissé un sac de billes noires, le grincement gris d'une armoire, un camion de pompier, une Rolls-Royce, un quart de police Dickin Toys, une tartine de compote d'orange, tombée du côté où ça se mange, toutes les tartines du monde entier. J'ai laissé un canari mort, une croix sous le sycomore, un trimaran, un cormoran, dans le jardin de mes parents. À Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, j'ai laissé les carnets scolaires avec des héros milliardaires. Une
elle aurait au milieu un nounours qui avait plus qu'un yeux, les petites filles qui t'oublient d'en face, l'avant-première de sa classe qui partageait son cœur en trois entre sa mère, le sucre et moi. J'ai laissé un tigre endormi, la main repliée d'un ami, une pomme, un vélo trop grand dans le jardin de mes parents. À Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, j'ai laissé des sioux, des cailloux, des joujoux, des poux, des cibous, des arcs-en-ciel, des carnavaux, et 3000 chevaux au galop, des notes de musique à payer, un vieux poisson rouge rouillé dans le vieux fond d'un aquarium, et un crucifix à chewing-gum, un cri avalé de travers, l'harmonica à fond de mon frère, et du vent à qui veut le prendre dans le jardin de mes parents. À Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Après Alain Leprest, Louis-Antoine, maintenant La rue qui est à nous, Les hommes que j'aime. Toujours pareil, je me raconte un peu à travers ça dans mon histoire. C'est après voilà tous ces débuts et ben je faisais les bistrots à Paris avec mon pote François et voilà, on faisait les chapeaux et j'ai rencontré ce groupe tout neuf qui faisait de la rue, qui s'appelait La rue qui est à nous. Je connaissais un petit peu Florent avant, enfin Trigny, puis il m'a fait dit viens voir et on a fait une rencontre formidable qui dure encore. On a monté un groupe qui s'appelle Mon Côté Punk avec une partie de l'équipe. Moi, j'ai toujours autant de plaisir à les voir. Et eux m'ont appris énormément de choses. Ils m'ont appris la beauté de leurs gestes, leur insouciance. Je me souviens de trucs fabuleux, quoi. On partait jouer dans des endroits improbables et après, on faisait la manche autour. Bon, ça nous permettait de voyager. J'avais un sentiment de liberté pas possible. Je me souviens de Mourad on se dormait sur une plage. Je me souviens un jour, il s'est réveillé, j'ai faim, faut chanter combien de temps pour un poulet? On est allé chanter jusqu'à ce qu'il y ait assez de sous pour avoir un poulet, quelques bières. Et c'est vraiment une période formidable qui nous a emmenés jusqu'à New York. On a fait deux ans de suite, on faisait la manche là-bas, ça marchait vachement bien, côté un petit peu exotique des Français déjantés. Et voilà, c'est des gens qui m'ont appris énormément de choses alors qu'ils étaient eux-mêmes en train d'apprendre leur métier. Au départ, ce que je disais, c'était un groupe de rue, quoi. Il y avait Maître Barbès, apprenti saltimbanque Beaubourg et apprenti saltimbanque Belleville. Et c'était un cours de manche. Et puis ça, il aurait arrivé un succès terrible qui n'était pas réfléchi ni voulu. Au départ, ils avaient d'autres projets en tête et ils faisaient ça pour se marrer, pour faire la manche. Et voilà, puis ça se dément pas. Les gars, ils ont eu le courage aussi en plein succès de dire « Oh là, on commence à faire de la merde, là, on chante n'importe quoi, ils reconnaissent par cœur et nous on prend plus de risques. » Et donc d'éclater tout ça et de remonter des groupes, dont Mon Côté Punk, auquel j'ai participé avec Mourad et Olivier. Et ils se retrouvent régulièrement, comme là c'est reparti en ce moment, là ils se retrouvent, ils écrivent, ils s'éclatent et ils vont nous refaire un album et une tournée bientôt. Et je suis bien content. Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter par une reine que j'avais aimée. Plus que les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées. Il faut les voir au petit jour se coucher tout étonnés du monde qui les entoure. Ils vont, ils viennent, ils traînent, ils parlent fort ou ne parlent pas. Ils entendent des carmen qui leur disaient viens par là, et chaque fois ils y vont, et chaque fois ils en reviennent entre un ange et un démon. Ainsi j'aime les hommes que j'aime.
parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, ce sont des dents chiants qui savent le chagrin d'amour, des amitiés de survivants qui fêtent votre retour. Et quand passe un drame et que l'un de nous il touche, on se donne des prénoms de femmes et on s'embrasse sur la bouche. On dit c'est mon tour, je vais au bord de la Seine, j'écris au secours, ainsi même les hommes que j'aime. Parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aimais, je lève mon cœur à la tendresse de ces voyous qu'elle me porte un bonheur. Ce soir j'ai rendez-vous et j'irai comme je suis. Moi je ne changerai rien à toutes mes folies, à mon feu dans mes mains, à mon amour sans pudeur, à mon amour qui se déchaîne et même ça fait peur. Ainsi à mes hommes que j'aime. Parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, je voulais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime. Louis Glantoine, après La rue qui est à nous, tient une femme, Barbara, qui chante du Brassens, La marche nuptiale. Oui, alors, tiens, une femme, effectivement, c'est ce que je me disais, il n'y en avait pas dans cette liste. Et au départ, je pensais à la chanson de Brassens, c'est une chanson que j'interprète dans un spectacle qui s'appelle Les étrangers familiers, sous la baguette de Denis Charolles, la compagnie des musiques à Ouïr. Et moi, je m'éclate à faire ça. J'ai découvert le jazz sur le tard, et surtout ce free jazz là, complètement halluciné de cette bande de fous. Et j'avais de la méfiance pour ces trucs-là, et maintenant je m'éclate. Et puis j'ai appris énormément de choses, quoi, à me placer, tout ça, à me placer musicalement, à faire des trucs. Quand la batterie elle bat en 7 et que la contrebasse elle fait du 4, c'est rendez-vous tous les 28. Puis au milieu, je nage, moi, au début. Mais maintenant, j'ai appris énormément de choses. Et donc on est avec Eric Larenne qui est chanteur aussi, donc avec moi là-dedans. On a joué un sacré paquet de fois du Brassens, qui est complètement réarrangé forcément. Et cette chanson, du coup, ça m'a permis de redécouvrir Brassens, parce que je crois que je suis pas le seul dans ce cas-là. On connaît tous et on connaît tellement qu'on on prend pas forcément le temps de se plonger vraiment dans le truc, parce que c'est là, ça existe, alors on va voir ce qui sort, les nouveautés, puis on a ce monument là à côté dans lequel on s'est jamais plongé tout en estimant qu'on le connaissait. Or c'est faux. Et cette chanson, La marche nuptiale, la première fois que je l'ai interprétée, j'ai été bouleversé, quoi, par la beauté de ce texte que je connaissais distraitement et dans lequel j'avais jamais plongé. Et cette histoire de des parents qui se marient des années après avec un enterrement qui est mal regardé par les gens et même par les éléments qui se déchaînent sur le mariage, et lui au milieu qui d'amour pour ses vieux parents veut sauver à tout prix le mariage. Enfin, je trouve ça sublime. Alors, Brassens, c'est vrai que c'est hallucinant. Une écriture, c'est bien, puis un boulot monstrueux. Je suis allé voir cette exposition là parce qu'on avait joué au Les étrangers, ouais, quand il y avait l'exposition à la Cité de la Musique, la Brassens, le boulot du mec, moi je pourrais jamais faire ça. J'ai une écriture relativement spontanée et j'aurais jamais le courage de me repencher dessus des années. Notamment pu voir une chanson que j'interprète aussi, le Bistrot, écrite des années avant, mais il y a le même nombre de couplets, le nombre de pieds, exactement la même histoire, il n'y a pas un vers en commun.
Ben, pas un seul. C'est du délire, quoi. Le type, il a refondu sa chanson, mais vraiment jusqu'à arriver au bon résultat. Alors, je dirais pas que c'est un modèle, parce que je serais incapable de me faire chier à faire tout ça. Et puis, de toute façon, j'ai pas ce talent-là, évidemment. Mais quel bonheur, quoi. C'est vrai. C'est beau, et ça, c'est pour toujours. Et Barbara ? Ben Barbara, déjà on disait, ben oui, parce qu'il fallait une fille du coup. Et Barbara, ben oui, j'aime beaucoup. C'est des premières que j'ai découvert en chanson, parce que ma mère qui écoutait pas de trucs, ou alors du Michel Sardou, mais c'est pas forcément ça qui pouvait me faire rentrer dans l'univers de la chanson, avait quand même réclamé un disque de Barbara pour son bon Noël. Et j'ai eu un choc, parce que j'étais encore dans la période où je suis pas là. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est magnifique. Et à mourir pour mourir, tadana, j'étais tombé là-dessus, la première chanson que j'ai entendue, puis je me suis dit, oh putain, mais voilà, une belle femme libre une grande dame de la chanson. Un peu d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent marier devant monsieur le maire. C'est dans un charabeu, s'il faut parler bien franc, poussé par les amis, tiré par les parents, que les vieux amoureux furent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces et de ce style. Voici le vent qui souffle en portant crève-cœur le chapeau de mon père et des enfants de cœur. Voici la pluie qui tombe en pesant bien ses gouttes comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi de toute ma morgue sur mon harmonica, jouant les grandes orgues. Tous les garçons d'honneur, montrant le poing au nu, criaient par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue. Et vive la mariée, vive la mariée, vive la mariée. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content des jours de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent marier devant monsieur le maire. Loïc Lantoine, après Barbara, Éric Larenne, La Complainte du Héros. Bah, on peut croire que je faillote avec un Toulousain, mais c'est pas grave. Bah, là, un peu plus, puisque je suis... là, on se voit aujourd'hui parce que j'ai été invité par Éric pour la soirée de sortie de son prochain album, son nouveau spectacle. Et j'en suis très fier parce que j'adore Eric, que j'allais voir chanter. J'avais même jamais écrit le moindre texte, et puis cette chanson, La Complainte du Héros, je l'emmerde depuis qu'on fait le Brassens ensemble avec cette chanson que je trouve vraiment superbe. Et donc il m'a fait le cadeau de me la laisser chanter. D'ailleurs, il l'a remise dans son tour de chant, et donc c'est moi qui la chante, et c'est un truc que j'avais déjà fait devant une glace dans ma chambre, et sauf que là je le fais en vrai, c'est super. Voilà, Eric, vous avez la chance d'avoir un machin pareil à Toulouse, qui est quand même vraiment quelqu'un d'entier, d'unique. C'est un artiste superbe, un bon copain, et voilà, à chaque fois je suis quand même
Ce boulot est compliqué, surtout quand on commence à l'avoir fait depuis un bout de temps. Mais on a quand même la chance de rencontrer des mecs d'enfer et qui se bagarrent encore comme des lions. Voilà. Ouais. Avec la reine, la complainte du héros, ça lui va formidablement. Bah, c'est sûrement pour ça qu'il l'a écrite. Voilà. C'est la première fois que je meurs, prisonnier de mes rêves les plus fous, je suis mal assis. J'étais pourtant bien prévenu. Mais je suis très intimidé, j'ai un peu peur. C'est la première fois que je meurs. Je ferai un signe. Pleurez pas la mort du héros, pour faire un héros il faut. Et il suffit de faire un petit, c'est très simple. S'il crucifie ses amis, s'il parle seul, s'il rit, pleurez pas la mort du héros. C'est réussi, c'est un bonheur. Si Gilles G. prospère, originaire du bas grand, Yos! Au nombre des vivants naguère, il fut porté du soin des êtres humains. Il était tout l'objet. L'espérance disait qu'un jour de son langage, les peuples ébahis viendraient lui rendre hommage. Il sera seul, quoi qu'il arrive. Au choix, amputer le père, la mère, ou bien le pouce. Oh yeah, le piaulement douloureux. Il sera seul, quoi qu'il arrive. Qu'il soit nain, qu'il fût gauche, qu'elle fût rousse. Il est à point, bullshit. Il est à point. Et alors il cherchait la gloire. Et s'il vous dit qu'il vaut mieux brûler que s'éteindre, sortez de cervez chaud, vous pouvez geindre. Et alors vous cherchiez la gloire, et s'il ne sait pas pourquoi il pleure, châtiez-le pour qu'il ne puisse fermer les yeux sur le bonheur. Au nombre des vivants, naguère il fut porté du soin des êtres humains, il était tout l'objet. L'espérance disait qu'un jour de son langage, les peuples ébahis viendraient lui rendre. C'est une mort très agréable depuis tout petit. Toutes les nuits je guette l'instant crucial du dodo. Je vais tout voir, je suis interminable. C'est une mort très agréable. Je ferai un signe. Si Gilles G. prospère, originaire du bas grand, Yos! Au nombre des vivants, naguère il fut porté du soin des êtres humains, il était tout l'objet. L'espérance disait qu'un jour de son langage, les peuples ébahis viendraient lui rendre hommage. Éric Larenne, Louis Glantoine, pour terminer ce set de cœur, on va faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique. Richard Desjardins, Tu m'aimes, tu. Bah là, c'est pas compliqué, c'est la plus belle chanson du monde. C'est une chanson qui me bouleverse depuis longtemps, que j'aurais aimé avoir pu écrire. C'est ce type qui se demande pourquoi elle l'aime, il trouve ça louche. Et toutes ces interrogations sont à la fois absurdes et magnifiques. C'est l'amour total, et avec la pudeur du bonhomme, avec sa façon de parler. Alors, souvent, j'entendais quand j'étais gamin, les Québécois,
quand ils chantent, ils ont plus l'action. C'est pas vrai. C'est juste pour aller à l'international. Parce que lui, il l'a encore sévère et je m'accroche pour tout comprendre. Et c'est un mec sublime, quoi. Enfin, cette chanson-là, alors évidemment, elle est très connue, mais, elle est très connue. On se comprend, hein, entre amateurs. Mais elle m'a tellement transporté que il était absolument hors de question qu'elle soit pas dans cette liste. Et puis c'est un mec qui est concerné, qui se bagarre chez lui pour la forêt dans son coin, qui est un mec. C'est le genre de carrière et le genre de bonhomme qui donne envie. C'est marrant, ça boucle un petit peu les propositions, parce que je sais que quand il a écrit Tu m'aimes-tu, quand il pensait très fort à l'album Nebraska de Springsteen qui avait été enregistré piano-voix à la route, et lui-même à un moment s'était senti le besoin de s'éloigner, de faire un truc très dépouillé. Alors voilà, on revient au début. Ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Et midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en croyais pas mon corps. T'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Une daredevil, Nefertiti, des sensations, c'est ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Et te dis à ta chum, check le gog des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. L'océan qui veut toucher ton pied. Que je l'ai jeté sauvé à vie dans quelque pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs. Pour mon argent, ni pour ma beauté,
ni pour mon talent. Tu voulais-tu me tuer? Midi tapant et la femme de ménage à cognant hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler l'autel. Coudon, tu m'aimes. Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins termine le set de cœur de Loïc Lantoine. Mais pas de set sans rappel, aussi on se sépare en écoutant Jour de lessive, extrait de son album Tout est calme. Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit mépris. Comme d'écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme. Oui, foutue comme quatre sous. Mon linge est sale aussi, mon âme. Et me voilà, chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Au bon moment. Voici ce linge goûte à menthe, et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurai compté ma vie, malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine, le linge au sortir du cuvier mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Set de cœur, c'est toutes les semaines, même heure, même fréquence, et sur internet erdotan.fr. Merci à Loïc Lantoine de s'être prêté au jeu lors de son passage au théâtre Daniel Sorano à Toulouse. C'était pour la sortie de l'album d'Éric Larenne, Emboli, en octobre 2012. Bertrand Rock était aux manettes et surtout au montage. À la semaine prochaine. D'ici là, ne gardez que les bonnes cartes.